ravi effectivement de faire ta connaissance déjà, en vrai. En fait, Michel Vaillant, ce qui est assez remarquable, c'est que c'est une bande dessinée qui est sortie donc, il y a 65 ans, 1957. Et Jean Graton, depuis le début, a toujours voulu mêler la fiction et la réalité. Et le travail en fait, que je fais depuis 7 ans, c'est de faire en sorte que Michel Vaillant, au-delà de la bande dessinée, devienne une véritable marque, donne envie de découvrir les albums, mais aussi permet de toucher des gens avec des produits bah, qu'on pourrait effectivement appeler des produits dits dérivés, mais qui sont en fait des produits dans lesquels on a la marque Michel Vaillant qui est utilisée, que ce soit des montres, des chaussures, du textile, et surtout de donner vie à cette marque avec des participations de Vaillantes dans des vraies courses, comme aux 24 heures du Mans en 2017, et puis là dans quelques mois, on va avoir l'auto apparaître dans d'autres courses, et surtout là dans pas très longtemps, aux 24 heures du Mans cette année. En fait, l'idée de base des Michel Vaillant Art Strip, c'est véritablement de montrer que Jean Graton, au-delà de ce talent de conteur qu'il avait de faire des beaux albums, de raconter de belles histoires, c'est quelqu'un qui avait un vrai talent et qui était un vrai artiste. Et l'idée, c'est vraiment de sortir de la bande dessinée, où on sait que les cases sont souvent toutes petites dans une bande dessinée, on la passe, on la voit à peine. Et là, l'idée, c'est de faire vraiment un arrêt sur image sur une case. On part des planches originales, noir et blanc, des planches couleurs qui étaient faites par son épouse, Francine Graton. Et ce travail nous permet derrière de faire des très grands tirages en grand format sur des magnifiques supports plexiglas ou papier fine art pour montrer à quel point le dessin de Jean Graton, en très grand format, tient parfaitement la route, sans jeu de mots. Et effectivement, montre à quel point Jean Graton avait un talent d'artiste incroyable. C'était l'un des rares à faire ses dessins au pinceau. Donc l'ancrage était fait au pinceau, il y a les fameux vroirs dont il a inventé toute cette grammaire pour donner du mouvement à ses dessins, et tout ça c'est ce qu'on voit au travers des Michel Vaillant Art Strip. Et donc l'exposition dans laquelle tu as découvert tous ces visuels bah, permet dans cette chapelle, à la Baule, de montrer tout le talent de Jean Graton autour de ces Michel Vaillant Art Strip. Donc les Michel Vaillant Art Strip sont donc issus des planches originales, et on les propose en fait en tirage limité à 30 exemplaires. Donc les personnes qui craquent sur un dessin peuvent se faire plaisir en achetant un des dessins tirés en grand format de Jean Graton. Et ce qu'on a réussi à faire sur cette exposition, c'est aussi faire venir en fait Benjamin Benetto, qui est donc le dessinateur de Michel Vaillant actuellement, et qui dédicace actuellement des albums de la saison 2 de Michel Vaillant, qui a été relancé en 2012, et qui permet de donner une suite au travail de Jean Graton. Donc Benjamin, aujourd'hui, fait un dessin de Michel Vaillant, où on retrouve le dessin de l'époque, mais bien sûr beaucoup plus moderne, et avec des choix, notamment sur des voitures, où on est inscrit dans la modernité. La Vaillant by Crossley, en fait, est une petite monoplace avec un look des années 60, qui reprend exactement la voiture telle que Michel Vaillant l'a pilotée dans l'album L'Honneur du Samouraï. Et cette auto, en fait, est fabriquée en Irlande, avec un artisan irlandais, qui a repris tous les détails de l'album L'Honneur du Samouraï, qui est sorti en 1964, et qui nous a permis derrière de reprendre le choix des couleurs de la voiture, l'échappement blanc, les roues jaunes. Et ce qui est surtout extraordinaire, c'est que ces autos roulent vraiment. Et on peut piloter ces autos dans une école de pilotage qui s'appelle la Vaillant Academy, et qui propose des stages d'une demi-journée ou d'une journée, et vous pourrez vous faire plaisir au volant de ces autos. Alors je suis au volant d'une voiture exceptionnelle, la Vaillant Le Mans GT. Cette voiture est issue de l'album de la Trahison de Steve Warson. Elle a été en fait fabriquée par un carrossier de Haute-Savoie qui s'appelle Marcel Sylvan et qui en fait a rêvé sur cet album lorsqu'il était jeune. Il est ensuite devenu carrossier et lorsqu'il est tombé à la retraite, il a eu cette envie de fabriquer cette voiture. Il a acheté un châssis d'une Datsun pour la transformer dans l'auto que vous voyez là, qui est une auto exceptionnelle réalisée donc à un exemplaire. Cette auto est absolument incroyable et donc vous pouvez rouler dedans et qui sait un jour peut-être sera-t-elle fabriquée.